Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends, il est 9h55. Avec Amandine et André, on est sortis du petit déjeuner. Ils jouent au cap là tous les deux là ensemble. Bon, Amandine a pris que les verres. Tu veux que les verres? Oui. Maxence est toujours au petit déjeuner. Il lui reste quelques céréales à manger. Ça va être vite fait. Il fait beau, très beau aujourd'hui. Il fait un peu frais, mais on est le matin et on est encore au mois d'avril. Mais je vais en profiter pour faire une machine, un peu de mes affaires, pour avoir des affaires de beau temps, genre pantacourt, mes t-shirts que j'aime bien porter, vu que la semaine prochaine, on part en vacances. Je ne vous dis pas encore où, je ne sais même plus si je vous en ai déjà parlé. Mais je ne vais pas vous le dire en pensant que je ne vous ai rien dit, comme ça, ça vous fera la surprise. En espérant qu'il fasse beau, bien sûr. Donc je vais faire tout ça. On voit ça, un grand Samantha, oui. Hein? Oui, petite activité collage gommette ce matin pour les grands. Ils sont contents. Et Andrea dessine. Bon, tiens, ça fait tomber. Hop, tiens la puce. Et Andrea va faire des petits coloriages. Et comme ça, ils sont au calme et je peux ranger un peu. Parce que cette table, il y en a un petit peu partout. Tout à l'heure, ils ont joué au cap là, ils les ont mis là. Donc, je vais ranger et eux, au calme avec les gommettes. C'est parfait. Tu te débrouilles bien, mon Tewi. Tu les enlèves bien. Alors, Tewi, c'est des gommettes Spider-Man. Oui. Il est fan. Oui. Et Maxence, il colle là les gommettes Batman qu'on a eu avec McDo. Et puis là, il en a des en forme de voiture que je lui avais acheté il y a un bout de temps. Il les a ressorties. Oui, hein? Parce que je voulais en coller. Enlève ta main, Vas-y, prends. Je vais le mettre à côté parce que c'est le même. Bravo, ma puce. Hey. Bravo la puce. Tiens, celui-là. Ah, il est tombé, c'est pas grave. Tiens, celui-là. Andrea, celui-là, là. Vas-y, voilà. Bravo. Ça, c'était Robin Spider-Man. Super, ma belle. Je suis fière de toi. Vas-y. Il y a trois étapes. C'est bien, bonhomme. Est-ce qu'il y a d'autres R? Alors. Par ici, c'est comme ça. Ici. Attends. Non. Maman, je suis sabine. Tu fais ça, c'est que je suis sabine, moi. Alors. Tu m'as fait. Moins le quart, on va seulement passer à table, mais en même temps c'est levé tard, le petit déjeuner on l'a pris tard,
Donc c'est pas grave, personne n'avait faim. J'en ai profité pendant que ça... Bon, ça cuisait, non, j'ai mis ça vraiment à la fin de ma douche, mais je me suis pris une petite douche. J'ai mis les enfants à jouer dehors tranquillement. Et là, on passe à table, on mange des raviolis, hein, tout simple. Oui. On était en train de jouer dehors dans notre trampoline et Andrea, cette fois, elle a même pas pleuré. Elle a pas pleuré. Oui. Parce qu'Andrea, elle veut aller dans le trampoline, mais elle est trop petite. Andrea, doucement. Non, prends plus. Ouais. Et elle essaye de rentrer dedans. Et tout à l'heure, elle est montée sur son camion. Elle était accrochée au bout du trampoline. Le camion, forcément, il est parti en arrière. Elle a tapé le menton contre le machin. C'est mise à hurler, normal. Qu'est-ce que tu fais encore, ma puce? T'as déjà pris une assiette, Andrea? 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 T'as déjà pris une assiette? Regarde. Elle était déjà là. Non, mais t'en as pas besoin, les deux. Bah, allez, nous, on passe à table. Bon, les enfants sont à la sieste. Moi, j'ai lancé une machine d'Andrea. Vu qu'il fait beau, j'en profite pour étendre sur mon linge... sur mon filet extérieur et puis sur des tankerville. Comme ça, je rattrape mon linge parce qu'Andrea, j'ai vraiment du retard. Un gros retard dans son linge. Et j'ai oublié ma panière, je crois. Non, elle n'est pas là. Elle est là. Donc oui. Donc là, je vais Andrea. Demain, je vais sûrement faire encore deux machines. Une d'Andrea parce que j'ai encore du linge Andrea à laver. Et puis des garçons. Amaury aussi, j'ai beaucoup de linge. Enfin, j'ai beaucoup de retard, donc en ce moment, ça va surtout être ça mes journées. Linge, linge, linge. Ouh, il est 5h15, JB est rentré vers 4h30. Les enfants ont pris le goûter, ils ont bien dormi. Et là, on va aller faire des courses. Acheter des baskets, des pieds nus pour les garçons. Dans la puce, on prend pas le vélo, on va pas en promenade, on va aux courses. Hop. Et on y va tous ensemble. Sous un beau soleil. Presque la puce. Presque. Tu refais? Refais la puce. Refais. Elle le fait bien, t'as vu? Presque. Allez. Et elle a plus envie. Oh, la feinte. Coucou, là il est 8h, on rentre des courses. On en a pu pour certaines sommes, mais bon. Ce week-end, on a encore du monde qui vient manger à la maison dimanche midi. Ah putain, il a fait quoi là? Ah, j'y arrive pas. Je vais prendre que la bouteille de rosée. On voit, il n'y a rien du tout. Donc nous, on va tout ranger, puis on va se mettre à manger. Ce soir, grignotage, comme on dit. On se fait un gros apéro, en fait. On va manger tout plein de trucs. On a pris des sushis, il y aura du fromage, des œufs de caille. Tiens, on va essayer. Faire goûter aux enfants. Oui, ma puce. Elle est heureuse comme tout. Hein. Non, t'enlèves ça, ma puce. Enlève ça. C'est quoi? C'est quoi, ma puce? Hop, papa, il a enlevé. Tu rentres? André, hein? Je suppose que tu vas faire un tour de course. Elle va tomber. Allez, viens ici. Viens. Viens. Oui, le chat, j'ai vu. Viens. Et c'est bon? Oh oui! Oui? Et on est en vacances tout le monde! Eh oui! C'est ça tout le monde! Et on a changé d'avis, on part lundi! Ah non, on part pas lundi, on n'a pas changé d'avis! Mais si! Bah non! Mais non! Papa, il a dit ça! Non, on part mardi! Mais il a dit qu'on part lundi! Eh bah non, lundi on reste à la maison! On part pas, il a changé d'avis, dit! Qu'est-ce qu'il y a la puce? Eh bah non! On a besoin, surtout par rapport à la famille, on est perturbé. Bonjour tout le monde. Non. Au revoir bon. Tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir il est je ne sais pas quelle heure. On a vu Koh-Lanta. Non, j'ai pas ma montre. On a acheté des nouvelles chaussures, des nouvelles baskets et des chaussures pieds nus. Oui, peut-être que demain je vous montrerai ce que j'ai pris aux garçons, ce qu'on a pris aux garçons. On leur a pris des baskets et des nu-pieds.
les baskets, parce que les anciennes, celles qu'ils ont actuellement, elles se ferment plus. Et les nupies, qu'est-ce que tu fais avec ton pied? Et les nupies, ils en avaient pas. Puis à leur taille. Donc on en a pris des nouveaux. J'ai acheté des shorts pour Andrea, des bodys à manches courtes, enfin des bardeurs pour Andrea, enfin des trucs comme ça. Donc nous maintenant on va vous laisser, hein. On a passé une bonne soirée. Oui. On fait des gros bisous. Gros bisous. Bisous. Papa il nous jette des chaussettes. Des habits de Maxence en pleine figure. Un slip. Oh non. Décidez papa. C'est moi qui reçois tout dans la figure. Attention papa, il va te jeter, papa. Bonjour. Non, pas bonjour. Bonsoir. J'ai l'impression qu'on recommence comme tout à l'heure. Bon, papa maintenant qui nous a laissé oui, tranquille. Oui, bonjour tout le monde. Donc, comme on disait, on vous fait plein de gros bisous. Bye bye, bye bye. On vous dit à demain. Je veux un bus. Ah bon? Un bus scolaire. Un bus scolaire. Des lunettes. Des lunettes. Et quelqu'un. Des gens, un bus. Oui. Non, en fait, j'avais déjà vu, dit un bus la dernière fois. Non, mais c'est pas grave, bonhomme. Alors, un bus, des gens et des lunettes. Bon, voilà. Si vous trouvez ça, mettez-lui, hein, il sera content. Mmh. Donc, comme je disais, je vous dis au revoir maintenant. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai l'œil, hein, je sais pas quoi là. C'est rien, c'est sur la caméra, regarde. Voilà. Ah. Ok, c'est parti. Bon, troisième, quatrième fois que je vous dis au revoir. Je vous donne rendez-vous demain dans une nouvelle vidéo. Oui. Si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et à vous abonner. À vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et à commenter, ça fait toujours plaisir. Hein? Et, donc on vous fait... et vous abonner à la chaîne de maman. J'ai oublié de dire maman. Ah, et vous abonner à la chaîne de maman, c'est le principal. Allez. Et puis aussi Donne, hein, parce qu'elle s'appelle maman et j'adore. Voilà. Ah. Je vous fais plein de gros bisous. Voilà, je vais dormir. Bye bye. Bye bye.